Today, we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital. This is nothing more or less than a recognition of reality. It is also the right thing to do. It's something that has to be done. That is why, consistent with the Jerusalem Embassy Act, I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv. C'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. Mais ce qui est aussi le plus vraisemblable, c'est que... En même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'influence palestinienne en modifiant cet équilibre géographique? Oui, bien sûr. Bien sûr, la stratégie israélienne, c'est de créer les conditions de l'impossibilité d'une ville arabe. C'est pour ça que... Que la population arabe devient de plus en plus présente et importante dans la ville. Dans la ville, mais en même temps, elle est mêlée avec d'autres. Et puis, il y a aussi la solution qui consiste la plus vraisemblable à ne rien faire. On le voit dans les dernières négociations qui ont commencé récemment entre les administrations israéliennes, américaines, palestiniennes, avec l'idée de « on va tout régler dans le conflit du Moyen-Orient, sauf deux questions, celle des réfugiés et celle de Jérusalem ». C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc, véritablement, il y a une dimension en quelque sorte utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. En fait, les espoirs de paix dans cette région sont liés à ce qui se passera à Jérusalem même? On a souvent dit, par exemple, que le Liban serait le deuxième pays après l'Égypte à faire la paix. Pas jamais le premier. En fait, on se rend bien compte que le Liban sera le dernier pays à faire la paix. Eh bien là, de la même façon, je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu. Parce que personne n'a intérêt à céder, ni les Palestiniens qui ne reconnaîtront pas l'indivisibilité israélienne, ni les Israéliens qui n'accepteront pas. Donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.